Bienvenue dans cette leçon du bâton Kaiyuan du Taiji. Je m'appelle Heike, je suis allemande. J'étudie le bâton du Taiji en Chine. Mon nom est Samuel. Je suis français. J'étudie le Wushu en Chine. Je suis très heureux d'apprendre le bâton court du Taiji avec vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Huang Huanghui. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer l'apprentissage du bâton Kaiyuan du Taiji. Mais avant cela, je vous propose de regarder l'enchaînement dans sa totalité. Le bâton Kaiyuan du Taiji est aussi appelé bâton court. Il a été adapté de la technique du bâton du Bouvier de Xiaominghui. Cet enchaînement permet aux adeptes du Taiji d'entamer la pratique des armes. L'enchaînement du bâton Kaiyuan du Taiji comprend 46 mouvements, divisés en 4 parties. Avant de l'étudier, nous allons voir certains mouvements de base. Aujourd'hui, nous verrons les positions et les déplacements. Chers amis téléspectateurs, nous allons maintenant commencer l'apprentissage. Regardez d'abord une fois. Position arc et flèche. Position du cavalier. Position du pas rasant. Position du pas vide. Position du petit T. Position du pas accroupi. Et position du pas inséré. Position arc et flèche. Position fixe. Posez les deux mains sur les hanches. Avancez le pied gauche, puis fléchissez le genou. La jambe arrière étendue. C'est la position arc et flèche. Passez la jambe à droite. C'est la position arc et flèche à droite. Quand vous êtes en position arc et flèche, veillez à bomber le torse avec une rétroversion des hanches, la jambe arrière étendue. Position du cavalier. Position fixe, les deux mains sur les hanches. Sortez le pied gauche et écartez les jambes d'une distance égale à la largeur des épaules. Fléchissez ensuite les genoux. Les deux cuisses sont presque parallèles au sol. Le buste reste droit. Encore une fois. Quand vous êtes en position du cavalier, les deux cuisses sont quasiment parallèles au sol et le buste doit rester droit.
Position du paravent. Position fixe, les deux mains sur les hanches. Sortez le pied gauche et écartez les jambes. Accroupissez-vous sur la jambe droite et la jambe gauche reste tendue. C'est la position du paravent à gauche. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche. La jambe droite étendue, c'est la position du paravent à droite. Quand vous êtes en position du paravent, il faut s'accroupir complètement et le talon droit doit toucher le sol. La jambe gauche reste tendue. Position du pas vide. Position fixe, les deux mains sur les hanches. Pivotez la pointe du pied droit vers l'extérieur, puis fléchissez les genoux. Avancez le pied gauche et les orteils touchent le sol. La jambe de devant est légèrement fléchie, c'est la position du pas vide. Changez de jambe. Quand vous êtes en position du pas vide, fléchissez lentement la jambe arrière et posez la pointe du pied devant vous. Position du petit T. Position fixe, les deux mains sur les hanches. Fléchissez les genoux, puis sortez le pied gauche et posez la pointe du pied sur le côté, au niveau du milieu du pied droit. C'est la position du petit T. Bien, changez de jambe. Le poids du corps passe sur la jambe gauche, puis posez la pointe du pied droit sur le côté, au niveau du milieu du pied gauche. Quand vous êtes en position du petit T, la pointe du pied doit se trouver au même niveau que le milieu de l'autre pied. Pas inséré. Position fixe, les deux mains sur les hanches. Soulevez le pied gauche, faites-le passer derrière la jambe droite, puis posez la pointe. C'est la position du pas inséré. Encore une fois de l'autre côté. Vous êtes en position du pas inséré, la jambe arrière doit être tendue et la pointe du pied touche le sol. Position du pas accroupi, position fixe, les deux mains sur les hanches. Soulevez le pied gauche, faites-le passer derrière la jambe droite, puis posez la pointe du pied. Fléchissez les genoux et accroupissez-vous. C'est la position du pas accroupi. Les fesses sont posées sur le talon gauche. Encore une fois, de l'autre côté. Les bases de la position du pas accroupi sont les mêmes que celles du pas inséré. Veillez à serrer les cuisses en vous accroupissant. Le pied devant reste ouvert pour maintenir l'équilibre du corps. Voyons maintenant les déplacements. Déplacement vers l'avant.
déplacement vers l'arrière. Le déplacement vers l'avant. Pieds joints, position fixe. Sortez le pied gauche et écartez les jambes de la largeur des épaules. Levez les deux bras parallèles devant le buste à hauteur des épaules, puis tournez les paumes vers le bas et appuyez en fléchissant les genoux. Placez les deux mains dans le dos, levez le pied gauche, placez-le à côté du pied droit, puis avancez. Vous êtes en position arc et flèche. Continuez en levant le pied droit pour avancer. Une nouvelle fois. Faisons-le ensemble. Le déplacement vers l'arrière, pieds joints, position fixe. Sortez le pied gauche et écartez les jambes de la largeur des épaules. Levez les deux bras parallèles devant le buste à hauteur des épaules, puis tournez les paumes vers le bas et appuyez. Placez les deux mains sur le ventre, levez le pied gauche, placez-le à côté du pied droit, puis reculez. Faites ensuite passer le poids du corps sur la jambe gauche, puis reculez. Bien. Encore une fois, reculez la jambe droite. Revenez. Faisons le mouvement ensemble. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Les techniques de base sont très importantes. Il faut absolument les travailler. À la prochaine fois. Au revoir.